Ben, sachant que j'ai découvert la caméra qui pue du cul. Ben, tu peux déjà passer au-dessus. Ben, je suis à 3,35 et le truc s'affiche que je peux aller à 3,36. Ok, au calme. C'est bon. Aïe 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 aïe. Ah, je les ai pas encore. J'ai pas rushé le jeu. J'ai c'est quand même vraiment dommage. Ça c'est bien ça, ça c'est bien ça. Non bah ouais. Ouais. Par ici. Voyons voir ça. J'aime pas les prendre de toute façon là-bas. Comme ça, non. Tu m'étonnes. J'ai l'impression que tu surfes sur le sable, c'est hallucinant. Moi j'ai l'impression que je suis plus que perdu et c'est en train de me gonfler sévère. C'est ça, ouais, c'est un certain moment. Par contre, la map, franchement, la carte. Ah, bah oui. Salut! S2. S2. S3 and 4. Voilà, on a l'ordre, rien à foutre. On a besoin de faire je sais pas quoi. Oula. Ah bravo! Dans un combat de boss. Alors là, tu vas avoir on a mis des bricoles. Moi j'appelle ça, quand je vais voir une amie comme ça, je dis que je vais avoir une discussion diplomatique très musclée. Eh ben c'était chouette, c'était vraiment chouette là, la caméra qui tonique, le chien qui truc, la visée automatique qui est nulle à chier, c'est génial. Et maintenant un chargement de 17 minutes, allons-y, le bassin de la solitude, je suis entièrement d'accord, on se sent tellement seul pendant ces putains de chargements. D'accord. Très le pourri. Ok. Un aspect positif avec ce jeu, c'est que ça m'a permis d'avoir pas mal de petits spectateurs bien sympas et je regrette pas du tout d'avoir au moins acheté le jeu pour rencontrer une partie de votre vous. Ouais, c'est ça. Ah bah oui. Ah, surtout que moi je twitch de tout, hein, donc profites-en. Eh, Batounet 13, salut à toi! D'accord, ouais. Ah, d'accord. Ah, n'hésite pas, hein, si toi et tes 15 autres potes de tout à l'heure ils sont chauds. Moi j'accepte de vous voir sur ma chaîne. Hein.
Salut à toi, Batounet. Comment tu vas? T'as la forme? Batounet plutôt, pardon. Ça fera un peu mieux, c'est un peu plus viril, t'as vu. Surtout pour un compère de Marseille. Allez là, putain, mais... Ce qui est pas soi, Glace, c'est le fait que ça soit si long à charger alors que c'est un jeu solo. Oh oui. Oh le chien, c'est bon. Je suis content pour une fois qu'il n'est pas passé à 70 boules, parce que là, 70 boules, la pilule, tu te coupes la jambe, tu te la mets dans le 1, et puis t'asticotes au maximum. Question, t'as payé 40 euros pour, en fait, alors, je t'explique, Bachonet, c'est pas une histoire d'être patient ou pas patient. C'est une histoire que depuis tout à l'heure je joue à ça et que je trouve les temps de chargement mais hyper longs. Quand tu meurs théoriquement ça a pas besoin de charger tout un décor ou tout un machin. Et bah si, ça recharge tout du début à la fin, c'est super long, c'est dommage. Regarde, ce déplacement, t'aimerais apprécier la map là, y a pas de soucis, ça a l'air cool hein. J'ai fait tout le tour, y a absolument rien, y a rien à y foutre à la map. Regarde-moi ça, la visée c'est même pas toi qui l'a fait. Toi t'avances, tu tires, tu peux pas viser. Si tu vises, c'est pour éviter le bonhomme. 8, équipé d'une épaisse coque double et de système redondant. Conçu pour durer, mais personne n'imaginait qu'elle devrait servir si longtemps. Ah mais moi je suis vraiment dégoûté. Je m'attendais au moins à quelques petites cinématiques pour racheter une sorte de truc quoi. Et y'en a pas non plus. Même le jeu! Au tout début, t'appuies sur Start, t'as pas une présentation, t'as pas une histoire, t'as rien. T'arrives dans le désert direct et tu vas faire le truc. Et les mecs, oh, réveillez-vous quoi. Ils nous ont fait rêver avec un trailer super bien foutu et là on a de la merde. Ah et encore, la PS1 ça avait le mérite. C'est un peu l'impression que tu peux avoir, mais... Après... Ouais... Putain... C'est quoi? Scalborg, hein? Ouais... Il a l'air sympa aussi, celui-là, à mon avis, il va apporter quelque chose de nouveau, ouais. Ah j'espère, c'est pour ça que depuis tout à l'heure je dis je vais arrêter et que finalement j'arrête pas. C'est parce que mine de rien c'est pas un jeu de merde, ça passe quoi. Le jeu il donne envie et puis t'as envie de lui trouver des excuses, pardon. On est beau là. Alors on va éviter de se casser la gueule. Juste dans le doute, on va retourner là-dedans pour voir s'il n'y a pas un bouton ou un machin que j'ai pas vu, mais... Ah, je vais rentrer dans la caverne, dans le doute, mais non, il n'y a rien à y faire. C'est vraiment dommage quoi. Merci Batounet, ça fait plaisir pour le follow, vraiment, vraiment super. Et c'est très gentil à toi aussi, t'inquiète pas. Tu veux un bisou? Tu habites trop loin pour avoir le bisou.
grave. La France. Salut, Jules. Désolé pour l'autre jour. Je me préparais à ton départ depuis longtemps, mais quand le vaisseau a quitté la... Ah, le truc bleu, c'était un renseignement. C'est mon papa qui me parle dans le jeu, parce que mon papa a disparu, on ne sait pas pourquoi. Et je suis parti... Non, c'est pas ça, on sait pas. Ils nous ont montré une vidéo avec son père, et puis après, on s'est retrouvé dans le désert. Donc, je peux pas te dire. C'est quoi ces infos, là, de base? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Ricor, sincèrement? Allez, ton beau-père n'a pas le temps de broyer du noir. On a du pain sur la planche pour assurer la réussite du projet Alter Eden. Je vais tout faire pour vous aider, toi et les autres héros du vaisseau. À propos de héros, j'espère que Mac t'en prête toi. À plus tard. Du coup, ça veut dire que c'est pas par ici qu'il faut aller. Donc, on va requitter par là, c'est ça? C'est ça. Ah, ouais, exclusivité, Valou. Mais si tu as une PS4, bon, malheureusement, tu as fait le mauvais choix de console, hein, on est tout d'accord. Mais on t'en veut pas. À côté de ça, pour une fois, tu loupes rien, quoi. C'est une exclu qui, malheureusement, pue un peu du cul. Je ne sens pas vraiment la merde, mais elle pue un peu du cul, voilà, c'est ça. Ça, fourri, ça laisse pas de traces. Et donc du coup, Batounet, qu'est-ce que t'en penses, toi, du jeu? Et salut à tous. Je dirais pas un navet, mais... Oh putain, regarde, si là, c'est bon, ça va m'énerver. J'avais oublié qu'il y avait des temps de chargement de baltringue juste derrière une porte. Mais sinon, non, c'est pas un vrai navet, mais... c'est dommage, il est vraiment perfectible, et puis c'est deux mains de maître qui produisent ça, et pour faire quoi? Pour faire ça, voilà, bassin de la solitude. On se sent toujours aussi seul dans le saloperie de chargement, quoi. Après, Batouvé, je trouve aussi que, tu vois, le personnage en lui-même, il manque de charisme. Dans la cinématique, il avait l'air tellement charismatique. Et là, il a l'air tellement niais. Franchement, c'est vraiment dommage, quoi. Pardon, il va falloir que j'aille me faire un café pour de vrai. Prochain temps de chargement, j'y vais. Mais... Son histoire. Le système de combat, il est trop assisté. Putain, on t'a même pas l'impression de jouer. La prochaine fois qu'il y a plein d'ennemis, je te montre. Je lève la manette, avec deux boutons, je fais tout le truc, quoi. Ah oui, quand même. Ouh, ça fait quoi, 2-3 jours que je suis dessus, hein. Et je suis à la fin. Bah... Ouais, bah je l'ai fait, je suis... Ça veut dire même quoi? Pas fini l'histoire que je suis déjà un exécuteur supérieur, on va te dire. Oh là là. Ouais, le temps de chargement, c'est pas du mytho, mon gars. Après, attention, ce jeu n'est pas une mauvaise idée. Il est juste très mal exploité. On croise les doigts. T'as joué, j'ai la musique de Zelda à chaque fois que j'ouvre ce coffre là. Chaque fois que j'en ouvre un, ça me fait penser à Zelda. En fait, tu joues à Ratchet & Clank, quoi. Non, je joue pas à un jeu de play, déconne pas non plus.